Vous regardez RTL. L'histoire du mercredi, un jour sur la terre avec vous, Olivier Bois. Nous sommes à Poligny dans le Jura, où fleurissent depuis quelques semaines d'étranges guirlandes. Oui, le mystère des slips de Poligny. Voilà un titre bien étrange pour une affaire qui intrigue les 4000 habitants de cette petite ville du Jura. Et pour cause, à deux reprises déjà ces derniers jours, ils se sont réveillés en découvrant au matin dans les rues brumeuses, au-dessus de leur tête, une mystérieuse guirlande d'authentiques sous-vêtements. Tout le monde s'interroge, le gang des slips agit la nuit, discrètement, personne ne les a vus faire. Comme tous les habitants en parlent, chacun y va évidemment de sa petite hypothèse. S'agit-il d'un canular ou d'un happening d'artistes fétichistes du slip ? C'est possible, mais les plus originaux ont une idée en tête. Le gang pourrait être un groupe d'écolos pacifistes dénonçant à leur manière la future installation d'un Center Park. À ce stade, on ne voit pas bien le rapport, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a eu aucune revendication. Le mystère des slips de Poligny reste entier. Récit RTL Olivier Bois, écoutez sur notre site rtl.fr.